With a sunshine smile upon my face, my friend, our clubs at hand, and all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm glad, oh, I found somebody who I can rely on. C'est un texto pour mettre un vieux à Vichy, j'ai dit oui, normalement vous avez pourvu là-dedans. Tu crois que c'est quoi? Non, bah attends. C'est Nashville Dancer. Comment? 9, distancé, 9, 8, dingue, 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 non placé, dingue. Première chance.
Bruno, c'est quoi cette histoire de Koh-Lanta ? Le Koh-Lanta ? Oh, j'aurais aimé le faire, ouais. Ouais. Ouais, c'est un truc qui m'aurait plu. Faut être un peu tête brûlée pour travailler chez Bruno Marie. Faut avoir envie, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Quand on vient ici, on sait que c'est pas le Club Med non plus. Hein. Après, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut être chez soi à 5h le soir et puis avoir sa petite vie tranquille, bah c'est possible qu'il faut venir. Après, faut savoir ce qu'on veut. Maintenant que je suis là, maintenant ça se passe bien. Je cours déjà beaucoup plus qu'avant. Avant, je menais pas du tout dans les autres boîtes. Que là, maintenant, je mène. Après, mais faut savoir ce qu'on veut aussi. En contrepartie, Et justement, ça désorganise pas complètement une écurie, le fait de courir partout comme ça. Surtout que toi, tu fais beaucoup de route. Ouais. Moi, ça ne pose pas de problème. Comme je dis toujours, le boulanger ou le boucher, il refuse pas de vendre sa marchandise. Alors, j'entends plein de collègues qui disent que c'est très compliqué de courir à n'importe quelle heure. Et on n'oblige personne à aller courir. Et moi, qui court pas, ça fera moins de partants. Et moi, j'irai aux courses. Hein. Si je suis fatigué, déjà, je déclare pas, puis j'y vais pas. Voilà, c'est simplement. Après, c'est une question d'organisation. On est assez organisé ici, c'est fonctionnel, donc ça se passe toujours bien. Ludovic qui nous demande si tu as ressenti une difficulté supplémentaire pour faire ta place dans les pelotons en n'étant pas issu du sérail. Non, j'ai pas eu vraiment. J'ai pas eu besoin de faire ma place. On fait sa place avec les chevaux. Hein. Quand on a des bons chevaux, tout de suite, on se fait respecter. C'est que quand on a des chevaux qu'on n'a pas de marge, on ne peut pas faire sa place. Les gens ne vous laissent pas passer. Et après, faut pas venir embêter. Je pense que quand on est droit en course, les gens sont droits avec vous. Le cheval se porte très bien. Loïc. Salope, tu l'as attaché. Tant que je l'attache. Non, c'est pas grave. Tant qu'à nous. C'est ça que je crains. Ouais. La chance qu'on avait avant, c'est que les gens déféraient pas, donc je gagnais plus de courses. Maintenant, on est tous sur le même pied d'égalité. Et voilà, c'est ce qui fait la différence. Et, j'avais un copain qui était Franck Blandin, qui déférait beaucoup et qui avait vraiment la vogue aussi à ce moment-là. Et lui, il disait que ça les améliorait bien. J'ai dit, moi, il faut que je fasse pareil. Et j'avais pris un peu Franck comme modèle, parce que... Il courait, il récupérait des chevaux, il déférait. Moi, on m'amenait des chevaux, je récupérais d'autres entraîneurs, je déférais et ça les a améliorés. Donc, j'avais pas de recette miracle ni de seringue, comme on a pu dire souvent. J'avais rien de miracle, je déférais simplement mes chevaux et tout le monde avait un dialogue sourd qui disait que ça les améliorait pas. Aujourd'hui, tout le monde est arrivé à déférer ses chevaux. Donc, la recette miracle, c'était le déférage. Ce qui est le plus dur, c'est de rester au haut niveau, d'avoir des bons chevaux. Je pense que pour avoir des bons chevaux, il faut faire du poulain. Il faut avoir on arrive comme dans le galop. Il faut avoir du papier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les meilleurs poulains, c'est les meilleurs papiers. Donc aujourd'hui, le plus dur, c'est de rester au haut niveau. Mais moi, je me dis que de les envoyer rouler partout, de finir tard, et au bout d'un moment, ils auront peut-être une famille à faire vivre et de travailler pour 2 francs 6 sous. Moi, j'ai pas cette mentalité-là. Moi, j'ai travaillé. J'étais content que mon patron me paye bien. Et je voudrais pas avoir une critique d'un jour d'un de mes gars de me dire Bruno, il me paye mal, j'ai été exploité. Non, ça, je pourrais pas supporter ça. Je sais d'où je viens. Je suis fils d'agriculteur, j'ai été salarié. Et c'est pas parce que j'ai monté un haras que je suis patron que je devrais changer d'optique. Maintenant, je préfère à l'écurie. Vous savez, comme je dis toujours aux gars, je crois que j'embaucherai un clochard, j'arriverai à y faire gagner une course. Parce que le travail, il est fait le matin à l'écurie et le cheval, il est mis au point à la maison. Donc, de s'asseoir dans un sulky, de prendre tête corde, quand on est déclassé, je crois que n'importe qui peut le gagner. Donc après, le métier, il vient avec les courses. Donc, pour leur donner leur chance d'être meilleur, il faut courir régulièrement. Chose que je leur donne. C'est-à-dire que quand on est habitué à gagner des courses tous les mois et puis que vous êtes pendant 15 jours, que ça ne veut pas rentrer et que vous faites votre travail tous les jours... Et que ça ne rentre pas, vous vous posez des questions, vous avez quand même une pression, parce qu'on est patron, mais on est patron de rien. Les propriétaires, ils sont tous des investisseurs qui ne font pas ça pour l'argent, mais quand ça ne rentre pas, ils vous posent quand même des drôles de questions, à savoir si on les entraîne bien. Donc, il n'y a qu'une certaine pression. Donc là, oui, on se pose des questions par moment, mais le ras-le-bol, non, parce que si on fait ce métier-là, c'est par amour des chevaux, et je crois qu'on leur doit beaucoup. Et en une mesure concrète ? Une mesure qui pourrait améliorer ton quotidien, par exemple, ça serait quoi ? Dans les courses ? Oui. qui donne plus de... Non, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait m'améliorer mon quotidien ? Qui ait plus d'allocations ?
qu'il y ait plus d'allocations en province, peut-être un peu moins pour les bons chevaux, parce que il y a très peu d'élus dans les bons, et il y a quand même plus de chevaux moyens, qu'on distribue plus d'argent aux chevaux moyens, parce qu'ils ont encore donné une plus grosse prime à l'éleveur ou au semi-classique des 3 et 4 ans, mais il y a très peu d'élus, il y a très peu de concurrents qui courent, et je pense qu'il faudrait aider la filière des chevaux, pas des mauvais chevaux, des chevaux qui sont capables de gagner leur vie, mais qui gagneraient mieux, encore plus. Pour trouver les deux mêmes, il faut être balèze. Et ça, ça va aller. Comment ça s'était venu l'idée de monter un centre de balnéo ? Eh ben, quand on avait acheté Jean Pridem chez Jean-Étienne Dubois, il avait fait un mauvais coup de sang et on l'avait envoyé du côté de Lyon dans un marcheur aquatique. Et le cheval, ça, c'est vrai qu'au bout de, je sais plus, il était resté un mois et demi, deux mois, et le cheval était revenu. Vraiment bien. Donc, on met simplement un cheval dans la piscine et on le laisse nager. C'est pas du feeling, quoi. Non. Au début, il y a un temps d'adaptation pour le cheval. Donc, il faut qu'il s'habitue à nager, qu'il n'ait pas d'appréhension, qu'il ne se fasse pas peur dans l'eau, parce que ça peut arriver. Et donc, au début, on l'habitue gentiment. Et après, disons, on augmente le travail. On augmente son travail par rapport à ce qu'il a eu. Si c'est un cheval qui a été arrêté longtemps, si c'est un cheval qui était à l'entraînement, ça dépend de ce qu'ils avaient. Et on adapte son travail en fonction du cheval. Est-ce qu'il y a des chevaux qui ne s'adaptent pas justement à la balnéo ? Non, c'est rare. Plus les chevaux sont jeunes, plus c'est facile à les mettre dans l'eau. Maintenant, si on y va gentiment, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas ça. Et bon, ça s'est bien terminé, mais bon... C'est quand même malheureux qu'entre gens de métier, on doit se faire des procès, quoi. Ah oui, quand même. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et au contraire, quels ont été les bons choix que tu as fait qui font que le hara fonctionne quasiment à plein régime ? D'épouser ma Céline. D'épouser Céline. Et s'il n'y a personne, je suis pas là. Jean-Yves, on est dans la station de monte ici ? Oui. Le labo qui se tient par là, qui est fermé à clé. La patronne a déjà fait son travail. La patronne a déjà fait son travail. Juste pas ton stylo, c'était bien. Alors que c'est que du plaisir. C'est que du plaisir, oui. Et puis bon, c'est des mannequins. Hein. On n'a pas la chance tous les jours de monter sur des mannequins. Alors, tu as toutes les casquettes, enfin en tout cas beaucoup de la profession. Tu es éleveur. T'es donc gérant du centre ici, tu fais du pré-entraînement, t'es amateur. Oh, amateur. Et puis cette année, on a augmenté chaque année, chaque année. Bon, on va la refaire. Et, donc le Haras de Sassy, ça fait une vingtaine d'années qu'on a démarré.